Bon là je vous retrouve, je suis en voiture, je sais pas du tout prudent ce que je fais, mais ça va, là je suis sur une grande ligne droite pendant bien bien longtemps. On est jeudi 28 janvier, il y a deux jours j'ai eu 20 ans. D'ailleurs merci pour tous vos messages sur les réseaux sociaux, franchement ça m'a fait trop plaisir parce que 20 ans c'est énorme. Là du coup je rentre chez mes parents ce week-end, même si je vous filme pas trop en ce moment etc, même si je vous ai posté une vidéo il y a pas longtemps, je voulais vous filmer quelques parties de mon week-end. J'ai reçu quelques colis en mon absence parce que du coup là je suis restée 2 semaines dans mon appartement. Du coup qui dit 20 ans qui dit 2 ans de permis, et du coup j'ai enlevé mon A hier. Je suis pas restée plus longtemps parce que la caméra se bat, c'est horrible, et puis voilà, c'est parti. Il y a mon frère et ma soeur, ils m'ont offert ça pour Noël. Bon, il est tout tordu un peu ce bon, mais voilà, c'est un trépied, vous savez, qui se tord dans tous les sens là. Et vraiment, pour vlogger, il est bien. Aujourd'hui, lendemain de mes plans d'hier. Week-end assez chargé. Là, aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à faire. Je suis en partenariat avec une marque de bijoux qui s'appelle Saphira. Et du coup, ils m'ont envoyé quelques bijoux. Et je suis fan, j'adore. Donc, je vous montrerai plus tard. Et j'avais aussi passé une commande sur Bershka, donc avant les soldes, parce que j'ai pas fait les soldes. C'est celui que tout le monde a en ce moment. Bon, il est trop long, hein. Je suis trop petite comme fille. Mais du coup, faut que je fasse des ourlets en bas, faut que j'enlève quelques centimètres. Voilà comment il rend. Il a pas de poche, hein. Mais il est très très bien cintré, franchement il taille très très bien. Voilà, il y a quelques centimètres à enlever quand même. Déjà j'essaye d'acheter moins de vêtements, ou alors de vendre ceux déjà que j'ai en trop. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais essayer de prendre pas mal de photos, vous y mettre sur mon compte Vinted. Faut vraiment que ça parte, et au moins ça pourra peut-être servir à d'autres, parce qu'il y a des choses que j'ai portées une ou deux fois. Ça, tout ça, c'est des trucs que je porte plus. Sur les images, là j'ai fait que ça jusqu'à ce qu'on mange ce midi. Je dois partir cet après-midi, je dois aller au garage parce qu'on m'a rayé ma voiture. Donc génial quoi, ça c'est les aléas quand tu gares ta voiture dans la rue quoi. Écoutez, bah voilà, il y a des gens comme ça partout, donc j'étais un peu dégoûtée parce qu'en plus ça fait vraiment tout le long de mon capot. C'est même pas sur le côté de la voiture, en plus c'est vraiment devant. Donc je vais aller voir si on peut aller faire quelque chose, parce que c'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie de garder. Je prends un yaourt, on me dit c'était yaourt. En plus, j'ai cherché les yeux, ils sont trop contents. Ah ouais, ils sont chers. Faut y mettre les risques un peu dans la vie. T'as vu, le deck est plus beau. Bah, bon, non, j'ai pris les mêmes, hein, c'est les mêmes. Hein. C'est un fail. Parce que vu que c'est pas de l'hélium, et ben les confettis s'accrochent pas aux parois. Faut qu'il y ait de l'électricité statique. Aujourd'hui, je vous reprends, on est dimanche 31 janvier. Voilà, j'ai profité de mes parents et de mon frère. Et puis après, bah, je suis partie, j'ai pris la route. J'ai été me chercher McDo. Et puis, bah, j'ai retrouvé mon petit appart. Regardez mon beau bouquet de tulipes que j'ai. Bah, j'ai mis en ligne tous mes trucs sur Vinted. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai tout pris en photo et tout. Du coup, j'ai essayé de vous mettre un maximum de trucs. J'ai des stories à faire aussi, je suis en train de me rendre compte.
Ouais, du coup, le week-end prochain, je vais peut-être à Lyon pour une porte ouverte. On sait pas, avec le Covid. Regardez, c'est toutes mes boîtes de masques. On adore. Et il me reste 2 semaines de cours pleines, on va dire. Après, j'ai ma semaine de BTS blanc. Et voilà. Donc là, j'ai mis de la crème et tout sur mes tatouages, sur mon visage. Je viens de rentrer de ma première journée de cours, aujourd'hui on est lundi. Là ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma tenue en vidéo là. Je sais pas si je vous l'avais dit mais j'avais commencé un TikTok. Je vais déplacer mon miroir et puis je vais faire ça quoi. Là aujourd'hui je dois faire une story pour les bijoux que j'ai reçus Saphira. Donc là c'est ce que j'étais en train de préparer. Maintenant il faut que j'enregistre ma story. Je suis en train de me faire à manger aussi à côté en attendant. Donc bon ce midi ça va être patate sautée avec une crêpe. Vraiment je viens de filmer mes stories. J'ai vraiment genre tout ça de story pré-filmée. Après il y a des choses que je vais couper et que je vais raccorder. Sachant qu'en plus je recommence 10 fois parce que des fois je sais ce que je dois dire dans ma tête. Et puis une fois que je parle bah je dis plus. Enfin bref. Ouais en tout cas j'ai arrangé. Donc voilà, aujourd'hui on est jeudi, je suis crevée parce qu'il y a vraiment d'autres mots pour dire mon état d'esprit en ce moment, regardez-moi ces cernes. Donc là je vais avoir les cheveux électriques, hein. C'est normal, c'est mon quotidien tous les matins en ce moment. Je vais enlever tous les cheveux qui tombent, donc je prends ceci et en gros ça permet de... Bah c'est des trucs un peu après protecteur de chaleur et tout. Les gars, il fait un froid, mais glacial dehors, on a du moins 7 ressentis. Et je suis en week-end, pas encore en vacances, bientôt il me reste une semaine. Et en fait, j'allais vous monter cette vidéo en me rendant compte que je n'avais pas fait de faim. Mais du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vais aller déguster mon McDo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. À me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Et puis moi, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.